que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation de la My Little Box du mois de juin. Et donc, pour ce mois-ci, on va embarquer vers un air d'été. Voilà, l'été approche, j'ai envie de dire enfin. D'ici quelques jours, nous y sommes. Alors, pour ce mois-ci, la My Little Box est en collaboration avec la marque Petit Mandigote. Donc, comme vous pouvez le deviner en regardant ce ponchon, à l'intérieur s'y cache un sac à main. Donc on va ouvrir ça de suite. Et donc voici comment que se présente le sac à main. Donc il est de couleur marron avec un peu, vous savez, de l'osier en bas. Franchement, il est très très joli. La taille, ça va, il n'est pas très très grand et non plus trop petit. C'est en fait un sac à main en bandoulière. Comme vous pouvez le voir, il y a une longue chaîne. Bon, après, personnellement, je vous avoue que c'est pas trop mon style à moi. Mais bon, il reste très très joli, je pense, avec une belle robe d'été. Ça peut donner un look très très sympa, vous savez, un peu un style bohème. Je trouve qu'il irait très très bien. Enfin bon, après, il reste très joli, bien que c'est pas mon style, comme je vous l'ai dit. Et donc, le premier produit, c'est de la marque My Little Beauty. C'est en fait un masque cheveux hydratant, donc c'est un 100 ml. Alors je suis ravie de recevoir ce produit parce que déjà de une, j'aime beaucoup la marque My Little Beauty. Franchement, ils font vraiment des produits géniaux. Et de deux, j'adore tester les produits pour cheveux, donc ce qui tombe vraiment très très bien. Alors ce produit est fait à base d'amandes douces et de karité. Alors ça, c'est déjà un bon point parce que j'adore les produits pour cheveux qui sont faits à base de karité parce que je trouve que ça démêle hyper bien le cheveu et surtout ça le répare très très bien. Alors il nous donne deux façons pour utiliser ce produit là, soit en tant que routine un peu hebdomadaire, voilà, comme un masque hein, tout simplement, soit pour une réparation en profondeur, donc pour celles qui ont vraiment les cheveux très très abîmés, ce qui est un peu mon cas. Alors je vais quand même sentir le produit, enfin du moins si c'est possible. Ah, ça sent trop bon, on sent bien l'amande douce je trouve, mais l'odeur elle est juste incroyable, j'aime beaucoup l'odeur. Maintenant j'ai hâte de tester ce produit. Ensuite, nous avons de la marque 5 Mondes. C'est un masque kaolin et fleurs. Donc, c'est pour le visage. Nous avons reçu un 20 ml. Il permet de détoxifier, lisser et illuminer instantanément le teint. Là, pareil, hein, je suis contente de recevoir ce produit parce que des masques pour le visage, j'en utilise très régulièrement. En plus, celui-ci, je ne l'ai jamais testé, donc ça va être une nouveauté pour moi. Apparemment, c'est un rituel de Bali, donc en l'occurrence de l'Indonésie. Je vais voir si on peut sentir une odeur, étant donné qu'il parle un peu de fleurs, voir si ça a une odeur de fleurs ou non. Oh oui! Effectivement, je trouve qu'il y a une odeur florale derrière, donc j'ai hâte de tester ce produit. Et puis ben, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, nous avons une eau de parfum de la marque Coach Dreams Sunset. Alors je ne connais pas du tout. Encore une fois, je vais découvrir un produit. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer de plus près. Donc il se présente ainsi. Moi j'aime beaucoup le packaging, il est vraiment très très sympa. Donc voici comment il se présente. Et je vais sentir l'odeur bien entendu, hein, vous me connaissez désormais, j'adore sentir les produits. Et donc, verdict, oh ça sent trop bon. Ah, ça a une odeur un peu fruitée, sucrée et moi j'adore ces parfums là. Donc oh, celui-là franchement je pense que je vais l'utiliser très très prochainement. Et je pense d'ailleurs que le flacon il va pas faire long feu parce que l'odeur il sent hyper bon. Et pour finir, le dernier produit, c'est de la marque Uriage, qui est vraiment une très très bonne marque. C'est en fait l'eau thermale, donc c'est une crème d'eau. On a reçu un 15 ml, donc elle va permettre d'hydrater, de repulper et d'illuminer le visage. Donc bon, pourquoi pas concernant ce produit, voilà, c'est un peu comme une crème de jour en fait. Et donc voilà concernant cette My Little Box du mois de juin. Franchement je l'aime beaucoup. Le sac à main est vraiment très très joli. Les produits sont pas mal également. C'est vrai que cette box beauté me manquait beaucoup. Bien que je ne suis pas restée désabonnée longtemps. Voilà, j'ai cédé. Franchement je l'aime trop. La seule chose que je leur reprochais c'était en fait que je la recevais très très en retard comparé
à certaines. Après, je sais que celles qui ont les extras l'ont en avance, ce qui est un peu normal. Mais bon, pour ce mois-ci, franchement, je trouve que le délai est très très raisonnable. Alors, j'espère que ça va continuer. Et sinon, pour celles qui veulent s'abonner justement à la My Little Box, sachez que je peux vous parrainer, bien entendu. Tous les liens sont en barre d'infos, comme toujours. En attendant, moi, je vais vous faire plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine.